serviteur d'Allah. Toute personne sera éprouvée dans sa tombe et sera interrogée au sujet de choses très importantes. S'il réussit cet examen, l'examen final, ce qui suivra ne sera que bienfait constant. Mais s'il échoue à cet examen-là, ce qui suivra sera pire que cette épreuve. Quand la personne sera dans sa tombe, les anges lui poseront trois questions. Préparons les réponses à cette épreuve, mes chers frères. Et la réponse ne pourra avoir lieu qu'avec science et acte. Ces trois questions sont : qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et qui est ton prophète ? Ainsi, si la personne est croyante, elle répondra correctement. Mais s'il s'agit d'un hypocrite ou d'un mécréant, il répondra « je ne sais pas ». Serviteur d'Allah, ceci fait partie du domaine de l'invisible, al-ghaib, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dévoilé à son prophète au sujet de ce qui se passera après la mort. Chose que les raisons ne peuvent atteindre à part par la voie de la révélation divine et bénie. Et ce hadith béni a exposé les questions qui seraient posées dans la tombe à propos de ces trois fondements importants qui sont que le serviteur d'Allah connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce jour-là, mes chers frères, la réponse sera donnée en fonction de la foi et des actes de la personne dans ce bas monde. Comme le Très-Haut a dit dans le sens du verset, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Les savants ont dit, dans l'au-delà, c'est en l'aidant à répondre aux questions de la tombe lorsqu'il sera enterré. Qui est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va affermir pour qu'il puisse répondre à ces trois questions-là ? Celui qui aura recherché la science concernant Allah, sa religion et son prophète, qui l'aura mis en pratique, il aura appelé à la mise en pratique de cette science et il patiente. Ainsi jusqu'à la mort. Tu recherches la science concernant ton Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, ses noms, ses attributs, le tawhid, l'unicité, l'élément le plus important de notre religion. Tu apprends ta religion, comment faire la prière, comment payer la zakat, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, et autres, dans les livres de fiqh, de jurisprudence. Et enfin, tu apprends qui est ton prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu prends exemple sur lui. En lisant les livres de biographie qui sont nombreux au sujet de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des connaissances minimum que chaque musulman doit avoir concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois éléments-là, ces trois sciences-là, après que tu les aies recherchées, si tu les mets en pratique, t'y appelles et que tu patientes ainsi jusqu'à la mort, eh bien Allah va t'affermir. Il va te permettre de répondre aux questions de la tombe. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Ces trois fondements, connaître son Seigneur, connaître sa religion, connaître son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, font partie des causes d'entrée au paradis. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui agrée Allah comme Seigneur, man radiya billahi rabban,
l'islam comme religion et Mohammed comme messager, le paradis lui sera confirmé. Wajabat lahul jannah. Le paradis lui sera obligatoire. Il faut donc que chaque musulman et que chaque musulmane connaisse ces trois fondements d'une bonne connaissance, conforme au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Une connaissance qui aura pour fruit la foi en Allah, l'iman billah, son obéissance, sa soumission à sa législation, ainsi que le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Quant au premier fondement, mes chers frères, c'est que la personne connaisse son Seigneur, Allah. La personne connaît son Seigneur au travers de ses signes, de ses créatures magnifiques et admirables, parmi lesquelles le jour et la nuit, le soleil et la lune, le ciel et la terre, ainsi que tous ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés, que ce soit petit, grand, insignifiant, noble, tout cela prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création, elle prouve l'existence de notre Seigneur subhanahu. Mais pas seulement son existence, mais aussi son unicité, son caractère unique, Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait qu'il soit le seul à mériter d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Et dans toute chose, il y a des signes prouvant qu'il est unique, Allah tabaraka wa ta'ala. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, à donner la vie et la mort, à gérer ce qui se passe dans le ciel et sur terre, alors il est le seul à mériter d'être adoré. Personne d'autre ne mérite quoi que ce soit comme adoration, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni quoi que ce soit inférieur à eux. Car en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, personne ne crée, ne pourvoit la subsistance, ne donne la vie et la mort, n'a le pouvoir de faire ni le mal, ni le bien. Ainsi, mes chers frères, comment serait-il permis d'adorer une créature incapable et faible comme toi ? Toutes les adorations, paroles et actes, apparentes et cachées, sont toutes un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, al-du'a, c'est pour Allah. La demande de secours, al-istiratha, c'est pour Allah. La peur, al-khawf, c'est pour Allah. Le désir, l'effroi, l'humilité sont pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il en est de même pour le reste des adorations. Elles sont toutes pour Allah seul. Il n'est pas permis d'en vouer quoi que ce soit à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset, « Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir de preuve évidente, aura en rendre compte à son Seigneur. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans le sens du verset, « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Et il dit aussi dans le sens du verset, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. » Et il dit aussi dans le sens du verset, « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. » Ainsi, mes chers frères, ces textes et ceux qui sont semblables et nombreux prouvent que personne à part Allah mérite d'être adoré et que celui qui adore un autre avec Allah, il aura commis du polythéisme. Et cela est le sens de la ilaha illallah. Car son sens est nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, la vraie divinité, le seul qui mérite d'être adoré. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, c'est Allah qui est le sublime, le grand. Al-Shaytan, le diable, a fait tomber dans le péché du polythéisme beaucoup de ceux qui s'affilient à l'islam. Ils prient, ils jeûnent, ils font le pèlerinage, ils paient la zakat, mais ils font du grand polythéisme. À cause de quoi ? De leur ignorance de l'unicité. Shaitan les a égarés.
Il aura embelli l'adoration d'autres qu'Allah sous prétexte de les prendre comme intermédiaires, shufa'a, de l'amour des pieux et du fait de leur demander l'intercession. Ils ont ainsi voué plusieurs sortes d'adorations à des créatures en invoquant les morts, en égorgeant pour eux, faire des sacrifices. Ils sacrifient des animaux pour ces personnes-là, pour se rapprocher de ces personnes-là, en faisant des serments pieux, un nadr, pour leur rang, et en leur demandant secours lors de difficultés. Ils s'affilient à l'islam, d'apparence ils sont musulmans, mais ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tombés dans le grand polythéisme qui les fait en réalité sortir de l'islam. À cause de quoi ? À cause de leur jahl, de leur ignorance. Et en particulier, leur ignorance du tawhid, de l'unicité. Il est obligatoire à tous les djinns et à tous les hommes de mettre en pratique l'unicité, d'adorer Allah seul. Et il est obligatoire aux gens de science d'éclairer ce grand fondement à l'ensemble des musulmans. Car c'est la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin ou que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'ils mettent en pratique le tawhid, que pour qu'ils m'unifient. Comme l'a dit le cousin du prophète, alayhi salatu salam, Abdullah ibn Abbas. Le verbe adorer, dans les textes religieux, dans le Coran et la Sunna, a pour sens unifier Allah. Mettre en pratique le tawhid. Quant au deuxième fondement, al-asr al-thani, c'est que la personne connaisse la religion de l'islam au moyen des preuves. Au moyen des preuves. Pas par l'innovation. Tu veux prier ? Apprends comment prier. Avec des preuves. Avec des livres de jurisprudence, de fiqh. Avant de prier, on fait les ablutions. Apprends comment faire les ablutions. Qu'est-ce qui annule les ablutions ? Comment faire s'il n'y a pas d'eau ? Et que tu dois faire les ablutions. Comment faire la prière? Comment la réparer en cas d'oubli? Tout ceci, toutes ces sciences-là sont une obligation. Comment payer la zakat? Comment jeûner? Qu'est-ce qui annule le jeûne? Comment faire le pèlerinage au moment où vous voudrez faire le pèlerinage? Qu'Allah vous facilite. Amin. Donc, les plus grandes des obligations de notre religion, il y a plusieurs obligations dans notre religion. Les plus grandes, ce sont les cinq piliers de l'islam, qu'il faut mettre en pratique correctement. Tu recherches cette science-là, autour des cinq piliers, tu la mets en pratique. Tu dois connaître ta religion. Tu prétends être musulman, tu t'affilies à l'islam. Recherche la science qui te permettra de mettre en pratique l'islam. Musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Tu mets en pratique l'islam, tu es musulman. Tu ne mets pas en pratique l'islam, tu n'es pas musulman. Et cette religion-là, mes chers frères, elle a trois degrés. L'islam, la foi et l'excellence. L'islam, c'est ce qui concerne les actes apparents. La foi, c'est ce qui concerne des actes cachés. Et l'excellence, al-ihsan, la perfection de notre religion, le troisième degré, c'est le perfectionnement des actes apparents et cachés. Une fois que tu as perfectionné tes actes apparents et cachés, tu as atteint le troisième degré de ta religion, qui est al-ihsan. Et ce troisième degré, le prophète alayhi salatu wasalam nous a donné son pilier. Son pilier est le suivant. Que tu adores ton Seigneur comme s'il te voyait. Car s'il ne te voit pas, lui te voit. An ta'bud Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Qui va adorer
Allah subhanahu wa ta'ala ainsi. Eh bien, celui qui va l'adorer comme s'il voyait Allah, comme s'il était devant Allah tabaraka wa ta'ala. Mais même si tu ne vois pas Allah subhanahu wa ta'ala, sois-en sûr, lui, il te voit. Lui, il te voit. Allahumma thabbitna 'ala al-islam waj'alna min al-muhsinin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. On a parlé des deux premiers fondements, connaître Allah, connaître sa religion. Ce sont des fondements, les frères, des fondements. Ce sont des choses que chacun doit connaître, obligatoirement. Ça fait partie de la science obligatoire, indiquée par notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa parole, « Talab al-ilm wajibun ala kulli muslim ». La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Ce hadith n'indique pas que chacun d'entre nous doit aller étudier à l'étranger sa religion. Non, il indique que ici, dans ta vie de tous les jours, malgré ton travail, malgré tes occupations, tu as pour obligation d'apprendre des fondements. Des choses dont tu ne peux pas te passer. Ce sont les éléments de ta religion qui te permettront d'adorer ton Seigneur correctement tous les jours. L'unicité, les ablutions, la prière, payer la zakat, etc., etc. Le troisième fondement de notre religion, al-asl al-thalith, le troisième fondement parmi les fondements de la religion, c'est de connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Par Allah, mes chers frères, qu'il y a des gens qui s'affilient à l'islam, qui sont musulmans et qui connaissent certaines personnes de ce bas monde, parmi les sportifs, parmi les acteurs, parmi etc., etc., parmi les hommes politiques, par exemple, ils les connaissent mieux qu'ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est normal? Non, par Allah. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah. Allez interroger les gens. Demandez-leur comment s'appelaient les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, que très peu de personnes vont répondre que son père s'appelait Abdullah et que sa mère s'appelait Amina. Que dire du reste? Quand est-ce qu'il est né? Comment a-t-il vécu? Sa biographie. Et en plus, il connaît la biographie de d'autres personnes, moindres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mieux que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un minimum à connaître. C'est le dernier des prophètes et des messagers. On se doit de connaître sa biographie. Ou les bases au moins de sa biographie. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il est un exemple pour nous. Lorsque tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour toi, tu te dois d'étudier sa biographie justement pour en tirer des choses qui vont t'aider dans ton comportement, dans ta façon d'agir. Dans ta recherche de la science, dans ta compréhension du tawhid, etc., etc. C'est Mohammed, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu de Quraysh.
qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vécut 163 ans. Alayhi salatu wassalam, dont 40 ans avant de devenir prophète. Et 23 ans en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Iqra dans la célèbre grotte de Hira. Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Muddathir, sa ville natale est la Mecque, et il émigra vers Médine. Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au tawhid, à l'unicité. Ainsi, mes chers frères, pendant 10 ans, il mit en garde contre le polythéisme et il prêcha au monothéisme. Et rien ne fut légiféré en dehors du monothéisme pendant 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Pendant 10 ans, il n'a parlé que de tawhid. Il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas le pèlerinage. Ça montre quoi? Ça montre l'importance du tawhid. Ça montre que le tawhid n'est pas seulement un fondement de notre religion. C'est le fondement des fondements. Il y a les fondements et en dessous de ces fondements-là, il y a un autre fondement. Il y a un seul fondement, c'est le tawhid. Sans ce tawhid, il n'y a rien du tout. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, que lui a-t-il enseigné? Il lui a enseigné la façon d'appeler à l'islam. Il leur a dit, la première chose à laquelle tu vas les appeler, ces gens-là, à l'époque il y avait des juifs et des chrétiens au Yémen, et jusqu'à aujourd'hui il y en a, mais très peu. Il leur dit, la première chose que tu vas leur enseigner, c'est le tawhid. An yuwahidullah, d'unifier leur Seigneur. Et écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé au conditionnel, il a dit, s'ils acceptent, alors dis-leur qu'Allah leur a légiféré 5 prières obligatoires, etc., etc., parmi les piliers de l'islam. Ce qui veut dire que si ces personnes qui étaient devant Mu'adh ibn Jabal n'avaient pas accepté le tawhid, eh bien Mu'adh, il ne leur aurait pas parlé ni de la prière, ni de la zakat, il aurait fait demi-tour. Ce qui montre l'importance du tawhid.